Donc bonjour, bienvenue sur Scooter et Méca Boîte. Apparemment, je m'excuse de la qualité de la vidéo, j'ai des petits problèmes d'éclairage. Donc aujourd'hui, on va se faire un démontage. Moi, je vais faire le nettoyage, hors caméra. Remontage d'un carburateur Mikuni qui est monté de base sur un quad, sur un Yamaha 300 Raptor, mais je sais plus trop le modèle. Je crois que c'est un Y... FM ou YSM, je sais plus. Je connais pas trop les quads. Ça va être une première pour moi. Ça sera peut-être pas dans ce bon ordre-là qu'il faudra le démonter. Je vous préviens, la qualité va pas vraiment être top top. J'ai plus de panneau à LED pour le moment. Cette caméra ne fait pas des bonnes qualités de vidéo quand il n'y a pas de lumière. Donc j'espère que niveau qualité ça ira. Que ça sera pas trop dégueu. Vous risquez de m'entendre souvent tousser ou le truc comme ça, puisque je suis un petit peu malade, si on peut dire. Donc le carbu, je le démonte et je le nettoie parce que le quad tient pas le ralenti et fait des ratés. J'ai commencé un petit peu à regarder quand j'étais le démonter sur le véhicule et il est pas vraiment en très bon état à l'intérieur. Apparemment, d'après ce que moi je me suis rendu compte, il a déjà été démonté une fois ce carbu, parce que on a un joint torique côté accélérateur, parce qu'en fait l'accélérateur il est là, le câble il passe dedans avec un petit volet, et on a ça qui vient autour et le joint n'était pas vraiment très bien mis. Donc là je vais le démonter intégralement et ensuite je vais le nettoyer hors caméra. Alors par contre, étant donné que ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo, vous pouvez voir aussi que j'ai un établi maintenant. C'est bien mieux pour faire la mécanique. Hein. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, c'est la première fois que je démonte un carbu comme ça. Donc je ne les connais pas. Donc je ne sais pas si la méthode que je vais faire. Hein. Au niveau démontage, je ne sais pas si c'est la bonne ou quoi. Habituellement, je ne fais pas les quads. Là, c'est parce que c'est quelqu'un que je connais, donc voilà pourquoi je l'ai pris. Et en temps normal, quand on me demande de faire des quads, je les refuse. Donc là, vous avez une plaque en ferraille à défaire. Pareil, hein, niveau... des vis, je suis pas vraiment sûr à 100% que ça soit toutes les bonnes vis. Hein. C'est un quad qui a été bricolé déjà par le propriétaire qui l'avait avant la personne auquel j'interviens là. Donc, si c'est pareil que moi, normalement, vous avez une vis Torx avec un pion au milieu là, qui sera en haut à droite. Et ensuite, vous avez deux vis cruciformes. Vous avez cette plaque-là. Alors, regardez bien l'état. Hein, ah, c'est rouillé. Hein, donc, ça explique pas mal de choses. Le câble, c'est une merde. Hein. Quand vous le démontez du véhicule, je vous le dis, le câble d'accélérateur, c'est une merde à enlever. Là-dessus, on aurait pu mieux faire, quand même. Ensuite, je vais démonter le... J'aurais bien voulu démonter le volet. Tout le bloc de volet, mais ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de rouille dedans. Donc je vais démonter le la durite du filtre à air. À la base, je devais ramener le filtre à air pour le nettoyer, mais je l'ai oublié. Je vais démonter le volet. Toc. Alors là-dessus, normalement, si je dis pas de conneries, ça doit être un boisseau à membrane. J'espère que la membrane ne soit pas pétée. Parce que ça peut expliquer pourquoi le quad aussi déconne. Là, j'enlève ça, puis après, je vais vous montrer. Déjà, la membrane est mal montée. Déjà.
mal montée, c'est une chose. Par contre, il faut pas qu'elle soit pétée. Donc vous avez une membrane comme ça, hein. C'est un peu comme sur les scooters 4 temps. Hein. Je regarde juste qu'elle soit pas déchirée. Elle n'a pas l'air. Par contre, elle est bien. Je la trouve bien souple quand même. Voilà. Alors, je vais vous montrer deux choses. Comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup d'éclairage. Alors, pour le câble d'accélérateur, alors je vous le dis, hein, c'est une tannée à sortir. Le câble, il passe là-dedans. Il y a un truc qui se visse avec la gaine. Il vient s'enrouler autour de ça, un peu comme sur un 4 temps. Sauf qu'à la différence qu'on a ce petit truc qui vient choper la bille et qui vient s'emboîter. Moi, j'en ai chié pour le sortir parce que c'est rouillé. Ceux qui se poseraient la question, pour le starter, il est sur le côté, là. Donc pour l'enlever, en fait, vous le dévissez, comme ça. Elle se dévisse avec les plates de 13. Vous avez avec le ressort. Et normalement, bah, parce que là, j'ai pas le câble d'accélérateur. Mais normalement, il y a le... Vous avez le volet, là, le volet de starter qui, qui vient bah, avec le câble et tout, quoi. Et juste, bah, le truc, c'est que j'ai enlevé le... Je l'ai démonté du quad là, à l'instant, donc... J'aurais peut-être pas dû le remettre dedans. Ouais. Ça sera la connerie à pas faire, ça. Si vous démontez, bah, vous remettez pas le volet dedans. Hein, parce que c'est une galère pour le ressortir après. Je vais arriver à le ressortir, mais ça va être chiant. Donc j'ai réussi à le sortir. Il y a un petit joint torique. Alors je vous cache pas qu'il a fallu que je fasse d'une méthode qui me plaît pas. Et en fait, c'est parce que je l'ai monté dessus. Je l'ai remonté sur le carbu pour éviter de le perdre. Mais j'aurais dû le faire de le mettre dans un petit sachet. Donc faites pas la connerie que moi je viens de faire. Hein. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que je démonte ces carburateurs là. Donc voilà. Et en fait, il y a un joint torique et ça le bloque en fait quand on le remonte comme ça, sans le câble. Donc, je l'ai sorti avec une vis à bois que j'ai vissé à l'endroit du câble. Pas à fond non plus, hein. Le but n'était pas de casser le loquet. J'ai tiré un peu, une fois que j'ai réussi à le décaler, un peu, avec un crochet pour joint torique, je l'ai chopé de par là. Il y a un trou là, au niveau du starter. Donc, voilà. Donc, bah, maintenant, je vais poursuivre le démontage du carbu. La vis, je vais la ranger. Hop. On va essayer de ne pas mélanger les pièces, hein, tout ce qui va au même endroit, on essaie de tout classifier. Le starter, il est là, ça fait partie de l'accélérateur, et puis voilà. Je vais continuer à démonter le carbu. Zoom un peu, Cyril. À mon avis, le carbu il serait peut-être bien bouché quand même parce que il n'y avait pas beaucoup d'essence dans la cuve, enfin il n'y avait pas l'essence qui est censée y avoir quand la cuve est pleine du moins. C'est pareil au niveau du boisseau d'accélérateur là, à membrane, il y a un petit joint torique aussi à pas perdre. Ouais, il est quand même bien sale hein, le carbu. Là, on a une espèce de membrane aussi. J'espère qu'elle va pas péter au démontage. Parce qu'elle est bien collée. On a une petite membrane. Qui n'a pas l'air abîmée. Plutôt bien. Par contre le carbu il est pas propre. Hein. Il est pas propre. Donc là on va démonter aussi, c'est le. J'ai dit que je démontais tout le loquet d'accélérateur. Ça c'est une tannée à faire. Pour les faire sauter à chaque fois c'est un petit peu chiant. Là, c'est bon. Alors ça j'ai une chance sur deux que ça se divise bien.
fois. Alors, je vous conseille un truc sur ces trucs-là, là. Vous faites un repère en haut. Alors, vous pouvez graver hein, dessus, c'est pas méchant. Je vais juste prendre une photo pour... parce qu'en fait, il y a un sens pour le remontage. Voilà. Je vais défaire le clip. Ça, j'ai dit que tout allait ensemble. Pareil, hein, essayer de remonter dans le de démonter dans le bon ordre et de remonter pour pouvoir remonter après dans le bon ordre. Voilà. Là, ensuite, il faut le pivoter. Normalement, voilà. Il devrait sortir. Ensuite, on va compter le nombre de que parce que en fait, quand là, quand vous enlevez le loquet, il y a un ressort et il va se dérouler. Donc, bon, c'est pas très tendu ça. Pas très tendu ou j'ai passé parce que ouais, c'est parce qu'il y a la butée qui m'emmerde. Alors, ben en fait il y a juste un demi-tour en fait. Alors, c'est pas compliqué. Ensuite vous avez un espèce de joint spi à sortir aussi. Il a un sens, donc faites attention, c'est le côté creux vers le haut. Ensuite, on va desserrer, c'est le... Ça, je vais peut-être aller à la clé à choc, parce que vu que c'est du BTR, on sait comment que ça finit, les trucs BTR. Je le démonte aussi, ce truc-là, c'est parce que je veux checker le truc du ralenti, parce que c'est une vis, c'est un réglage un petit peu à la con là-dessus, et je crois qu'en fait, il ne fonctionne pas. Donc il faut que je... Enfin la vis, elle se visse, elle se dévisse, hein, il n'y a pas de problème. Mais j'ai vu que le loquet, il n'avait pas l'air de bouger lui. Donc ça, j'ai dit, il faut que je regarde. Parce que si ça se trouve... c'est ça quand c'est traficoté. C'est des carbus qui coûtent quand même assez cher. Pourtant, c'est des carbus qui sont de... C'est pas des carbus de merde, hein. C'est des carbus de qualité. Mikuni, ça n'a jamais été de la merde. C'est un Mikuni ou c'est un Kain? Alors, c'est un Mikuni. Alors, par contre, j'aime moyennement ce truc du ralenti. Le système de réglage de ralenti. Par contre, je le déteste, ce truc. J'aime bien avoir la vis directement au carbu. Mais... Là, c'est pas vraiment le cas là-dessus. À le sortir déjà, ça c'est bon. Donc voilà le système de réglage de ralenti, hein. C'est pas une vis au carbu, hein. c'est une merde comme ça. Donc vous avez ça qui se visse au carbu et ensuite en tournant ça, bah ça visse ça et ça règle le ralenti. Et c'est un système que j'aime pas. Surtout sur un quad, je vois pas trop l'intérêt. Surtout sur un monocylindre. Ça serait encore sur un gros cube. Bon, ce serait compréhensif, c'est pas accessible. Mais sur les quads, c'est quand même accessible. Donc, j'y vais à la visseuse à choc parce que j'ai peur que la tête de vis foire.
Non, que pour le desserrage, bien entendu, pas pour le serrage. Pour le serrage, on le fera au tournevis. Mais bon, je le démonte intégralement parce que franchement, quand je vois dans l'état qu'il est, ça fait un peu flipper quoi. Voilà. On a encore un petit joint derrière là, un espèce de joint tourique. Il y a plein de merde qui sort de là-dedans. Voilà. Et ben maintenant, on va démonter la cuve. On a un deuxième joint spi pour le loquet d'accélérateur là, pour la tige de l'autre côté, pareil, qui se monte le creux côté extérieur. Hein. Apparemment, il a déjà été démonté une fois. Parce que je viens de voir que les têtes de vis sont foirées. Sur 4 vis, j'en ai 3 qui sont foirées. Il faudra que je regarde si j'ai des vis pour les remplacer. Mais bon. Ça, c'est ça quand on utilise les mauvais tournevis. Ça va être bien à desserrer, ça. Ah, ça va encore. Peut-être leur foutre un petit coup de scie à métaux après, je sais pas, je vais voir. Celle-là, par contre, va être plus chiante. C'est un peu bizarre parce que là, j'ai un filetage. Mais il n'y a rien de vissé dedans. Un peu bizarre. Il y a la pince. Celle-là sera à remplacer, c'est sûr. Ou à modifier. Alors là, on a 1, 2, 3, il y a 3 gicleurs et il y a un espèce de truc. Ah, c'est un réglage de richesse. Ok. Alors par contre, le réglage de vis de richesse, il est vraiment, vraiment pas accessible. Franchement, il est en dessous du carbu. Comment vous dire que pour le régler, là par contre, c'est complètement débile. C'est complètement débile là. Parce que il faut un tournevis coudé quoi et bah, ça va être la merde. À régler ça, ça va être une vraie merde. Du coup je suis obligé de l'enlever parce que je fais un nettoyage donc. On va se faire un petit gravage. Avant démontage, on la resserre. Pour savoir combien qu'elle est desserrée. Alors, un demi-tour, un tour complet, un tour et demi. Un tour et demi, un tour trois quarts. Donc faites attention, petit joint torique et une rondelle.
système du flotteur, il tient avec une vis. Alors je vais peut-être le mettre à deux tours, sa vis de richesse, moi, parce que j'ai vu que le pot il n'était pas d'origine et c'est peut-être ça le problème. Vous avez le flotteur avec le point d'eau. Ensuite on va démonter, c'est le gicleur. S'il veut venir. C'est parti comme c'est parti. Voilà, je vais défaire le gicleur, j'ai le diffuseur qui vient avec. On va se prendre une clé plate de 8 pour maintenir le diffuseur. Voilà. C'est un peu bizarrement foutu quoi. On a un petit cache comme ça. Déjà j'arrête si j'ai clair, il n'est pas bouché. On va se le mettre comme ça, on va défaire le diffuseur. Il y a également un puits d'aiguille. Alors c'est un diffuseur avec un joint torique par contre. Il y a un petit joint torique là. Faire le puits d'aiguille. Et normalement, il est juste à tapoter dessus et puis il sort. Voilà. Il est bien crade aussi, lui. Et ensuite, on va démonter les deux autres gicleurs. Donc, le gicleur de ralenti. Le trois quarts du temps, c'est lui qui est bouché sur les quatre temps. Ben voilà, ça loupe pas. Et le gicleur du starter, normalement lui il n'est pas bouché. Ouais, il n'est pas bouché lui. Voilà, là le carbu il est intégralement démonté. Je vais faire un pré-nettoyage avec de la vieille essence. Et ensuite, je vais faire un nettoyage. Ah, il y a le puits de pointeau aussi qui se démonte là-dessus. On va le démonter aussi, tiens. Je démonte un max de pièces pour pouvoir tout nettoyer correctement. Essayer de le choper. Alors vous le chopez par l'extérieur, lui par contre est pas de l'intérieur surtout. Voilà. Ah oui. Et oui, forcément il risquait pas de fonctionner. Il y a un tamis et le tamis il est bouché. En fait c'est un filtre, un espèce de filtre interne et il est bouché. Voilà pourquoi qui tourne mal. Voilà. Bon. Je nettoie ça et on se reprend pour le remontage. Donc ça y est, le carbu est nettoyé. Ça m'a pris un petit peu de temps à faire. On va tout remonter. Donc déjà, on va commencer. C'est par tout ce qui est au niveau des gicleurs et tout ça. Alors, on va remonter déjà dans un premier temps. Alors, par contre, avec de l'huile, c'est mieux. Puisqu'il y a des joints toriques. J'ai posé un truc là tout à l'heure que je retrouve pas. C'est ça quand on fait de la mécanique alors qu'on est malade. Donc déjà, sur le puits du pointeau, on va remonter le petit tamis là. Bon, ça s'emboîte, hein, c'est tout. On va mettre un petit peu d'huile. Sur le petit joint torique, et un petit joint torique.
on le rentre à sa place. Ensuite, il y a une vis qui le tient. C'est celle-là. Cette vis-là. J'ai pas trop montré tout à l'heure en vidéo. Je pouvais pas voir avec la saleté. Mais en fait, vous avez cette partie-là, là, qui normalement se déboîte. Moi, j'ai pas réussi à la sortir, donc j'ai pas insisté. Et on a une petite vis là au fond. Ça doit être une vis de débit, je pense. Ça correspond à ça. Que j'ai pas réussi à enlever non plus. J'ai pas réussi à la dévisser, donc j'ai pas insisté. Ça voulait forcer pour dévisser. Quand j'ai vu que ça forçait, j'ai pas insisté. Parce que le but, c'est pas de niquer le carburateur. Parce que ces carbus-là, je peux vous dire qu'ils coûtent une couille. Si je peux me permettre. Alors ensuite, on va remonter, c'est le diffuseur. Alors pareil, il y a un joint torique. Donc. Par contre, je vois, c'est qu'il est quand même. Je sais pas, il y a un genre de. Ce carbu-là, je pense qu'il aurait été bien de lui foutre des joints neufs quand même. Je pense que ça aurait pas été trop de refus. Et je pense qu'il a bu, il a avalé de la flotte ce carbu. Le problème, c'est qu'on n'a pas acheté de kit réparation. Enfin, la personne n'a pas prévu de kit réparation. Donc. Ça sera remonté comme ça. J'avais trouvé déjà tout à l'heure que le diffuseur était pas très serré quand même. Donc je vais le serrer un petit peu plus. Et ça devrait être bon. Ensuite, gicleur principal. Alors pour le coup, ils ont fait un petit peu de la merde sur ce carbu-là. Parce que que ça soit le gicleur principal ou le gicleur de ralenti. Bah en fait c'est les deux mêmes. C'est juste la taille du trou en fait qui change. C'est un petit peu con moi je trouve quand même. Hein, parce que bah, c'est pas top. Hein. Franchement. Donc on met le gicleur. Principal avec son support. On le serre. Voilà. Le gicleur de ralenti. Tac. Le gicleur de starter. Le flotteur avec le pointeau et l'axe. Alors, il était bien dégueulasse hein, parce qu'il m'a quand même fallu deux nettoyages. Hein. Il était. Je crois que c'est le carbu le plus crade que j'ai eu à faire. Hein. Je pense. J'ai des doutes que ça soit avec la bonne vis, ça, quand même. J'ai deux gros doutes. Ah si, ça peut être que la bonne vis. C'est pareil, vu que c'est un carbu qui a été bouiné. On peut pas vraiment savoir. On va regarder si l'arrivée d'essence est bonne. Ça a l'air. Donc au niveau de la cuve, on a tout remonté. Donc on va pouvoir remettre la cuve avec le joint. Alors le problème, c'est que vu qu'ils ont niqué les têtes de vis, ça va être une grosse merde à remonter. J'ai pas trouvé de vis. Donc c'est un peu la merde. Donc on remonte le joint. Pareil, hein, le joint aurait été bien de le changer quand même. On espérera qu'il ne fuit pas. Donc on remonte ça. Il y a celui-là qui vient là. Celle-là, c'est bon.
On en a une autre qui est dans l'angle. Ici. Une autre ici. Voilà. Et la dernière ici. Et celle-là va être un petit peu plus chiante à visser. Ouais, par contre, j'ai fait le bon. Celle-là, vu qu'elle est un petit peu plus chiante, je vais quand même essayer de voir si j'en chope pas une, si j'arrive pas à en trouver une quand même. J'aurais au moins remplacé celle-là, quoi, même si c'est pas la même tête. Ça serait quand même bien, parce que franchement, la tête, elle est vraiment mangée, quoi. Au serrage, ça va, mais c'est au desserrage surtout que ça pose problème. Alors si jamais on doit changer les gicleurs, un gicleur ou quoi que ce soit, que je ne sois pas emmerdé au démontage, ça serait quand même bien. Donc au niveau de la vis, j'ai récupéré sur un vieux carbu de scooter 4 temps, 50, bon elle est un tout petit peu plus long, mais bon c'est pas méchant. Ça c'est remonté, du coup là on va se taper, c'est le remontage du loquet d'accélérateur. Donc on a le petit joint torique hein, qui est là, que j'ai nettoyé aussi, qui vient au fond. Voilà. Ensuite on a ça, donc le support, qui vient comme ça. Mais avant, il y a le joint qui est à mettre. Pareil, je les ai nettoyés. Alors, il se peut qu'en les nettoyant l'essence, ils gonflent un peu, mais c'est pas plus mal. C'est comme ça. Bon, ils sont plus chiants à remonter, bien entendu. Mais au moins, s'ils gonflent, ils vont, en les remontant, ils vont se comprimer un petit peu plus vers l'intérieur. Et dans un sens, c'est pas plus mal. C'est comme ça, ça permet de bien faire étanchéité. Du coup, je vais lubrifier le joint torique parce que du coup, bah lui c'est pareil, il a gonflé de façon à ce qu'il se plaque, parce qu'il est conique le machin là, à l'opposé. Moi je pense qu'il y avait quand même un petit problème d'étanchéité au niveau de ça quoi. Mais il faut dire que c'est vraiment, vraiment super mal foutu quoi. Du coup, ça c'est bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les vis. Alors, comme j'ai dit, je les ai défaits à la péteuse, mais je ne les revisse pas à la péteuse. Je les ai dévissés à la péteuse parce qu'en fait, bah, ils sont collés ces vis-là au frein filet faible. Donc je vais remettre du frein filet faible, hein, parce que s'il y a du frein filet, il n'est pas là pour décorer, bien entendu. Et voilà quoi. Après, j'aurais plus qu'à aller remonter ça sur le scooter et puis normalement, ça devrait être bon. Alors... Comme j'ai dit, moi je prends, faut les recoller au frein filet. Donc, alors je vais prendre du Loctic 243, donc c'est du faible normalement. C'est pas le plus fort, mais de toute façon il n'y a pas besoin que ça soit collé fort non plus. Et pareil, il n'y a pas besoin de serrer ça comme un abruti. Alors je vais prendre le cliquet, parce qu'elle résiste un petit peu la vis, vu qu'il y a du frein filet dedans, j'ai pas réussi à l'enlever. On va faire la deuxième, qui est là. Là, elle se visse plus facilement. Elle devait être un petit peu moins collée celle-là, d'origine. Toc. Alors vous ne serrez pas comme des abrutis non plus, parce que c'est pas de la grosse vis, hein, ça doit être du 5 je crois. Déjà vous pouvez voir que je l'ai nettoyé et on voit clairement la différence. Hein. Sur cette pièce-là, sur le volet du, enfin la commande du volet, vous avez le ressort et vous avez une bague en plastique. Pareil, j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé. La bague, vous avez une espèce de rondelle qui vient côté mécanisme. Donc voilà.
on avait fait, on l'avait dévissé de, enfin on l'avait défait. Ah, j'ai un problème avec le joint torique qui est en dessous là. Il s'est un petit peu trop écrasé. Peut-être le resserrer un peu. C'est bizarre que ça il fait ça. Je vais redéfaire. Pas normal ça. Et peut-être là le problème aussi. Non mais c'était juste mal placé. Ok. Je préfère. Il était peut-être déjà mal placé de base, hein. Comme j'ai dit, le carbuge, pour moi, il a déjà été ouvert une fois. Et ça n'a peut-être pas été remonté dans les règles de la roue. Sinon. Alors. Alors. Alors le truc c'est le ressort qui va me faire chier. Parce que je sais pas trop comment qu'il était placé lui de base. Ah ouais, pas comme ça du coup. Alors du coup faut faire juste un demi-tour en fait. Vous le prenez, le loquet, et vous le tournez d'un demi-tour et puis c'est bon. Et après il est mis. Voilà. Là c'est bon, il est mis. Du coup on va remonter le joint torique. Si monsieur. Ah bah oui, puis bah du coup, il est ressorti donc. On recommence. Le ressort il a sauté. Alors je vous le cache pas que c'est une merde à installer. Là, pour le coup sur les 50 c'est quand même. Sur les scooters 50 c'est quand même un petit peu plus simple. Alors, j'ai dit un demi-tour. Voilà. Et après, on vient tout juste le remettre en butée. On met le deuxième joint spi. En le remontant bien dans le bon sens, hein. C'est très important ça pour le coup. Ensuite vous avez une rondelle. Une espèce de rondelle en nylon. Que je vous déconseille de nettoyer à l'essence. Et un espèce de clips. Et ensuite on a un petit chapeau comme ça. À remboîter et normalement il faut lui taper dessus. Là, il n'y a plus qu'à remettre le volet d'accélérateur en prenant garde de bien le remonter dans le bon sens. Donc le H, j'avais gravé H. Le H, il va en haut. Donc là, il faut le pivoter comme ça et vous le rentrez comme il est là. Alors, vous essayez de le rentrer sans pince et sans forcer. Il doit rentrer facilement. Ensuite, vous essayez de le... Vous voyez, là je l'ai mis. Il faut qu'en fait, quand vous relâchez, il se mette en place tout seul. Faut surtout pas forcer dessus. Vous remettez les deux vis cruciformes qui le tiennent. Dans un premier temps, vous les mettez. Vous les bloquez un peu. Vous redesserrez d'un quart de tour. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Vous faites ça pour les deux. Alors celle-là, elle ne veut pas se mettre. Parce que je ne dois pas être tout à fait en face. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va actionner l'accélérateur. On va bouger avec un truc pas très gros. Plus petit que la vis de préférence. Là, elle ne veut pas se mettre elle. On va défaire la vis que je viens juste de visser. On va la décaler.
c'est bon, elle a pris celle-là. On refait le pareil de côté. Il faut appuyer un peu, d'accord. Alors, comme j'ai dit, vous les faites toucher, embuter, vous redesserrez d'un quart. Pareil pour la haute. Vous la vissez jusqu'à temps qu'elle touche, qu'elle arrive à embuter, vous redesserrez d'un quart. Vous prenez l'accélérateur, vous l'actionnez à fond, et vous le lâchez d'un coup sec. Et vous mettez à la lumière après, vous le mettez vers une source de lumière, de par le côté filtre à air. Et vous regardez qu'il soit bien étanche. Là, pour le coup, c'est pas mon cas, donc je le redesserre un peu. Là, je l'ai tiré, moi, pour le coup, je l'ai tiré un peu vers la gauche, vers le système. C'est, en fait, c'est pour qu'il soit 100% étanche, le carbu. Vous pouvez éventuellement appuyer un petit peu. Là, je pense que je pourrais pas faire du miracle. Hein. Ce carbu-là, il en aurait peut-être bien un petit coup dans la tronche quand même. Voilà, alors, voyons voir. On va voir s'il est bon. C'est le papillon, en fait. Le loquet du papillon, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de jour dedans. Et voilà. Comme j'ai dit, je suis pas vraiment sûr qu'il soit vraiment encore en bon état, ce truc-là. Là, je vais monter la commande, le truc du ralenti, que je vais essayer de voir, de trouver le pourquoi du comment. Moi, j'avais un doute quand même sur un truc là-dessus, c'est... Et par contre, il y a un truc que j'ai mis au mauvais endroit. C'est le truc de la pour le ralenti. Elle n'est pas au bon endroit. Il faut que j'inverse les deux vis de cuve, en fait. Je regarde pas spécialement le retour vidéo. Alors, par contre, il y avait un truc qui me chagrinait un peu sur le carbu tout à l'heure, parce que j'avais des pièces qui se baladaient et pour moi c'était pas normal. Là, ce que je vais faire, il y a une rondelle en ferraille qui vient au niveau du ralenti. Ça, je vais m'en occuper après. Je vous reprends après, je vais essayer d'étudier la chose. Donc du coup, j'ai pas trouvé comment ça se met, donc j'ai remis comme c'était comme je l'ai démonté. Donc il manque des pièces, de toute façon c'est sûr, parce que j'ai vu qu'il manque un clip, ça. Déjà ça c'est sûr. Et le problème c'est que j'en ai pas. Et il faudrait que je regarde éventuellement sur internet comment que c'est monté d'origine. Mais bon, bah, ça fera le job. Hein. J'ai essayé avec des clips de mécanisme de pompe à huile de AM6, mais ça va pas, les clips que j'ai sont trop gros, donc ça peut pas y aller. Et je pense qu'en fait, de toute façon, c'est un carbu qui a été ruiné, hein. De toute façon, c'est sûr et certain. Donc ça va rester comme ça pour l'instant, on verra bien. Le principal, c'est que je puisse régler le ralenti. Déjà ça, c'est bon, ça fonctionne, c'était pas le cas avant. Bon, maintenant, il nous reste encore des pièces à monter dessus. Donc, on a la vis de ralenti. Je suis bon pour redémonter la cuve parce que j'ai oublié de mettre ça. Donc, je répare ma connerie que j'ai faite et puis on se reprend. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai oublié de remonter. En fait, c'est pas compliqué, mais bon, ça aurait pu coûter cher sur le coup. Donc, il faut que je redémonte le gicleur, le diffuseur. En fait, j'ai oublié de remettre une pièce en dessous. C'est le puits d'aiguille. Le diffuseur, donc il y a le puits d'aiguille, en fait j'ai oublié de remettre, donc on le remet. Je crois que c'est dans ce sens là qu'il va,
semble, du moins. Peut-être dans l'autre sens. J'espère qu'elle... Ah ouais, il est resté dans le tournevis, lui. Quel con. Donc si, c'est bien ce sens-là qui vient. C'est pas la joie quand on est malade. Il ne veut pas rentrer. C'est bizarre. J'espère que c'est que j'ai pas déformé... au niveau du carbu, quoi. On va essayer de lui taper un peu sur la gueule. On va voir s'il rentre. Ça part l'air. Je vais essayer dans l'autre sens. Pas très bizarre qu'il se monte dans ce sens-là, mais bon. Ah bah si, d'accord, c'est dans ce sens-là qui se monte. En plus, il y a un sens. Donc la partie la plus fine vers le haut. Donc on va resserrer le diffuseur. Fais une connerie là. Donc je commence à mieux comprendre pourquoi que le diffuseur était pas trop serré tout à l'heure. Bah en fait ils avaient monté le puits d'aiguille à l'envers. Et vu qu'ils ont mis dans l'autre sens, ils ont forcé un peu, ils ont un petit peu massacré le filetage du. Parce que là, il est monté comme ça. En fait, il se monte. Je vais pas arriver à vous montrer. Mais je vais vous montrer pour éviter que ceux qui démontent ils fassent des erreurs. Mais c'est la partie la plus haute. Qui va vers le haut du carbu avec le trou le plus gros vers le haut, et eux ils avaient fait l'inverse, ce qui fait que le flotteur, le diffuseur était pas vraiment bien monté. C'est peut-être pour ça qu'il avait des problèmes de ralenti et qui fonctionnait pas très clairement. Il ratatouillait comme s'il avait un problème d'arrivée d'essence, et c'est peut-être pour ça du coup. Les gens ils démontent, mais en fait ils font pas spécialement gaffe. Bon, moi j'ai oublié de leur monter, mais c'est pas ça qui a foiré le. Qui a abîmé le truc. Hein. Puisque je l'avais pas monté justement. Et ouais, c'est un peu du n'importe quoi. Je vais rechanger une vis de cuve. Il y a une autre vis là. Quand j'ai voulu la dévisser, j'ai galéré. Donc je vais la changer aussi. Il m'en reste encore une là. Donc. Il a fallu que je le rentre au chasse-goupille, le machin. À tel point qu'ils l'ont défoncé à le serrer, à le monter à l'envers. C'est en fait bah, du fait que ça appuyait. Comment je pourrais dire. Du fait que bah, la partie la plus haute était côté intérieur, côté gicleur, côté diffuseur du moins. Eux, ils ont forcé avec le diffuseur. Et ça a un petit peu massacré la tête en fait. Donc il a fallu la rentrer au chasse-goupille. C'est, alors que normalement, il y a juste à la mettre, on appuie un petit peu, puis hop, ça rentre. Et vu que bah en fait je passe derrière quelqu'un d'autre, ça a été un petit peu fait comme de la merde quoi. La personne qui l'a fait avant. Et là j'ai encore fait la boulette au niveau de la vis. Donc, ils auraient pu foutre la vis de ralenti quand même directement au carburateur. Ils l'ont bien fait pour la vis de richesse alors que la vis de richesse n'est pas accessible. Elle. Ils auraient dû faire l'inverse en fait, foutre la vis de richesse avec une molette en externe, là j'aurais éventuellement compris. Et non, ils l'ont fait pour la vis de ralenti. Alors que la vis de ralenti sur le côté, avec un tournevis plat, ça passait. Par contre la richesse, je vais la mettre à deux tours.
Elle n'était pas de tour de base, elle était à un tour trois quarts, mais bon, il y a, le pot il n'est pas d'origine et je suis pas vraiment sûr qu'ils aillent refaire un réglage carbu dessus, quoi. Logiquement, un peu comme tout, quand on met un pot qui crache, on met un gicleur un peu plus gros. Et ça, il y en a beaucoup qui comprennent pas. C'est celle-là qu'il faut que je change. Je sais plus. Non, c'était pas celle-là. C'est l'autre. Que j'ai déjà vissé d'ailleurs. Non, c'est bon. Tout à l'heure ça voulait pas, mais maintenant ça marche nickel. Pas chercher à comprendre. Là, on va remettre la vis en richesse. Donc elle vient en dessous. Hein. On va la visser à fond déjà dans un premier temps. Voilà, donc là elle est à fond. Et je vais me faire un petit marquage. Et je vais prendre une lame de scie à métaux. Ça va être plus facile pour faire le marquage. Du coup, on va le faire au cutter, j'ai plus de lame de scie. Donc, on va venir ici. Voilà, là, c'est bon. Et maintenant, je vais la dévisser de deux tours. Un demi, un tour et demi, deux tours. Voilà. On va remonter le système d'accélération, l'espèce de petite membrane là, qui va sur le côté. Donc ça c'est pareil, c'est pas compliqué à remonter. On a ça. À chaque fois j'oublie de rezoomer. Donc ça c'est pas compliqué à monter comme j'ai dit. On peut pas se tromper au niveau du sens. Donc, elle vient comme ça. Voilà. Vous avez un ressort. Un couvercle. Comme ça. Les vis. Deux. Essayez de passer les vis quand même dans le trou de vis et pas dans la membrane. Ça peut être bien. Voilà. Là c'est bon, c'est remonté. Dans le starter, j'ai évité de faire deux fois la même connerie. Je vais pas le remonter dessus. Ça c'est bon, il n'y a plus que le boisseau membrane à remettre. Avec son petit joint torique. Donc je vais même d'ailleurs commencer par le petit joint. Hein, c'est mieux. Alors, par contre le truc... C'est ici qu'il vient. Donc voilà. Donc le boisseau, il a un sens. Donc on le remet là. On place bien l'extérieur de la membrane, on la met bien dans sa gorge. On essaye de bien mettre l'aiguille quand même dans le trou, ça peut être bien. Toc. Oups. Bon, il est descendu, c'est pas vraiment ce que je voulais. Moi, je voulais pas qu'il descende à la base. Ça prouve qu'il coulisse bien. Je vais enlever le joint torique et je vais le mettre en dernier. Bon. Ça va me faire chier longtemps, toi. C'est déjà une tannée à mettre ça sur les 50. Enfin, tout ce qui est quoi de... Enfin, machin 50, quoi. Là-dessus, j'ai l'impression que c'est encore pire. Si je la baisse.
Parce qu'il y a pas moyen de le mettre après ce truc là. Peut-être comme ça que ça se fait sur les quads. À première vue, c'est bien comme ça que ça se met sur les quads. Bon bah sur les quads en fait faut descendre le boisseau et puis voilà en fait. Voilà comment ça se monte. Bien le mettre dans sa gorge par contre, ça c'est obligatoire. Ensuite on remet le chapeau comme ça, on remet les deux vis et il n'y a plus qu'à serrer. Et après je vais regarder que mon bras fonctionne quand même. Ce sera pas le moment de créer une deuxième panne. Ah, voyons voir. Ah, marche nickel même. Voilà. La durée du filtre à air, bon, je la remettrai quand je serai là-bas. Je vais essayer de replacer quand même ce putain de joint. Au pire, bah, je vais y aller avec un pot de graisse, donc au pire, bah, je le mettrai à la graisse. Et si la graisse il veut pas, bah. Ça va être une merde à remettre ça. Je vais mettre tout ça dans un pot. Voilà. Voilà, on met ça là-dedans. Comme ça je pourrais remonter directement sur le quad. J'ai pas remonté le starter comme je vous ai dit. Ça bon bah je l'ai pas remonté parce que faut que je remette le cap d'accélérateur, je vais pas me faire chier à tout remonter. Puis le joint vu qu'il tient pas, ça sert pas vraiment à grand chose. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je vous recommande, LG Motorsport Racing, Mob 11, Gotha 11, Premix 2.0, la chaîne YouTube de mon petit frère. Également à la chaîne YouTube pour les voitures sans permis, la chaîne Bruno Devine. Et puis voilà, allez, à une prochaine les amis.